Messieurs, dames, c'est la famille, la société, tous les amis, frères, et ses compatriotes, Mayo, et tous les collaborateurs, tous les spectateurs, faisant la caille, qui connectent nous tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? J'espère nous toutes en forme. Nami quoi, c'est toujours serviteur, nos amis, nous merci Dieu. C'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là, à la ronde, badé, nous comptons rencontrer. Jeudi à ce lundi, nous vivons lundi 23 octobre. Toute équipe là nous déjà mobilisés pour nous retransmettre pour le journal créole et Mega Matin. Mega, c'est Pigo Réseau Radio, Aïsien sous la terre béni, avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Écoutez, Radio Mega, Gros Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin, premier journal Radio Mega qui passe sur le réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Lundi 23 octobre 2023. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer dans la caille aux amis auditeurs pour nous porter pour premier paraître un journal Mega Maté sur antenne Radio pour la Radio Mega. Déjà, nous avons une bonne semaine d'information. Micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévéac, Daniel, touche technique, Marcel Joseph. Bonjour Marcel, bonjour Daniel. Bonjour Jean-William Sévéac, Marcel Joseph. Yo l'autre journal tout neuf, Abtaï Mandassou, antenne Radio Mega, amis tout partout. Bienvenue. Le premier sorti journal Mega Matin pour semaine. Mais quelques principales informations pour développer l'autorité américaine a annoncé y a mis sous pied une unité enquête criminelle dans le pays d'Haïti. Bataille contre crime transnational, combattre trafic d'armes, c'est quelque part mission ça selon le département d'État. Les États-Unis saluent l'adoption de résolution 27001 qui a ouvert la sanction contre les supporters gangs dans le pays d'Haïti. Les États-Unis rappellent ont déjà coupé visa à 50 haïtiens pour Zakir Sayo. Premier ministre canadien Justin Trudeau était sans pitié pour l'élite dans le pays d'Haïti. Premier ministre rappelé Canada a supporté Haïti depuis 30 l'année. Malgré ça, toujours un groupe oligarque, élite politique et autorité qui décide de quitter Haïti dans la troublaille. À partir de sanctions, les victimes et sécurité doivent commencer à préparer pour aller porter plainte contre les supporters gangs. Selon le responsable BAIA, M. Mario Joseph. La même position pour diriger le comité d'organisation politique syndicale et populaire Guy Numam qui croit gagner. Complice toujours pays à obtenir l'isla avec impatience. 20 à 21 octobre, Nicaragua recevra 28 vols commerciaux qui sortent à Haïti, malgré accord qui s'est entre États-Unis et Mexique pour déporter immigrants illégaux. Haïti a continué à prendre route pour aller chercher la vie meilleure. Faut noter sous invitation président pays Mexique, le premier ministre Ariel a retrouvé le depuis vendredi dans le pays ça, côté de l'Alpatispé dans le sommet sous immigration avec l'autre pays dans la zone. Commissaire divisionnaire NS Dorfait confirmé pour Gazette Haïti. C'est lui-même qui croit donner arrestation Joseph Félix Badio dans Big Star Market. Il était remarqué et puis le commissariat Pétionville vient prendre le DCPA adjoint rappelé. C'était facile pour identifier présumé assassin. NS Dorfait a gros difficulté après arrestation. Ça a fait un dossier SPN selon ses premiers ministres. Claude Joseph qui fait qu'on est premier ministre Ariel Henry Patap. J'aime d'accord. PNH l'a arrêté Badio. Constato, arrestation, ça c'est un gros coup pour ancien président Joseph Michel Martelly à Ariel Henry, selon dirigeant BAIA Mario Joseph. Yo délégation Fédération nationale magistrat haïtien qui gagne la tête du président Jude Edouard Pierre remettre pendant week-end un chèque 4 millions de gourdes pour construction canal là sous rivière Massacre. C'est une contribution toute magistrat dans le pays d'après Jude Edouard Pierre qui proposait construction mausolée dans l'espace là pour rappeler Massacre Trouillon dans l'année 19.
1937. Dossier canal sur rivière massacre dans le journal là jeudi, ancien ministre travaux publics l'ingénieur Jean-Céus Nadette est sous canal là pendant week-end non pour porter expertise les bail projet ça. L'ingénieur fait qu'on est travail là arrivé en phase importante qui nécessitait un pile technicien qualifié. C'est pour ça avec diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal là, mais pas oublier n'a pas pour traverser avec la société jeudi dans le journal là. On a besoin qu'on ait combien de ou a besoin pour capable acheter un dollar américain. N'a pas pour nous porter pour week capsule ça t'est resté branché n'a pas tourné. Avant nous Alvine avec information ça puisque autorité américaine a salué rapport Conseil sécurité ONU sous ensemble liste sanctions qui prend compte des personnalités haïtiennes que ce soit dans le secteur des affaires là, que ce soit dans le secteur politique là, ou bien dans la société civile là. Pays États-Unis salué rapport Conseil sécurité ONU et puis annoncé mesures contre monde qui n'ont eu cité dans liste là n'ayons communiqué dans un communiqué qui pour tes dates avec octobre États-Unis dit s'allier adoption unanime par Conseil de sécurité selon 19 octobre 2023 selon résolution 2720 qui reconduit embargo sous armes en Haïti pour empêcher fournitures armes by acteur non étatique et puis prend mesi interdiction déplacement et puis geler ciblé tout avoir monde qui gagne dans une cité dans cadre lissa expert Conseil de sécurité dressé. États-Unis s'allie à adoption unanime par le Conseil de sécurité ONU, Jean-Noudoula. Sur ça, c'est ça au capable écrit. Département d'État rappelé depuis mois octobre 2022, États-Unis te prémési pour imposer sanctions à restriction visa by plus passer 50 moun qui te porté atteinte à quel processus démocratique pays d'Haïti. Ou bien soutenir, soit ou financer gang à organisation criminelle, ou bien yo livre yo à ça qui gagne pour avec violation droit moun et puis zaik corruption significatif. États-Unis continue signeons l'autre bois premier-y pour éradiquer les affaires illégales qui absorbent les pays États-Unis pour aller dans les Caraïbes là, parmi les pays d'Haïti. Gouvernement américain utilisait nouveau pouvoir li dans affaires pénales, loi Community Act pour identifier et puis poursuivre trafic zamyo. En appui avec Efosayo, dans le mois de juin 2023, vice-président Harris a annoncé création de poste coordonnateur département justice pour poursuite relative avec ZAM qui en a vendu Caraïbes parmi Haïti. Département d'État soutenit tout unité régionale renseignement sous âme dans Trinité et Tobago pour aider pays partenaires Caraïbes résoudre des affaires criminalité qu'il y a avec ZAM et puis décourager crimes qui a commettre dans la région et puis traduit devant la justice tout coupable. Pour finir, département d'État dit li associe enquête département sécurité intérieure là dans objectif pour créer une unité enquête criminelle transnationale en Haïti pour faciliter enquête sur crime transnational et puis poursuite correspondante là en particulier en lien avec États-Unis. Nouvelle unité SAMGE pour concentrer sur crime qui est puis intervenir dans les affaires contrebande des armes et munitions. Traite moun ak activité gang transnationale. États-Unis promettent y a continuer faire usage tout outil qui à disposition pour faire promotion pour promouvoir responsabilisation acteurs corrompus moun qui facilite violence gang et ak l'autre activité criminelle en Haïti. États-Unis dit qu'il était déterminé pour faire promotion la paix et la prospérité pour les pays haïtiens. L'autre information dans le journal, là, matin, il y a un premier ministre canadien, Justin Trudeau, rappelé pays déjà sanctionné 28 personnalités haïtiennes pour rapport avec un gars d'un pays. C'est vrai, la communauté internationale a continué à supporter Haïti, mais ça pacifie 30 l'année depuis Canada a supporté Haïti, mais toujours gagné oligarque, classe politique, même gouvernement qui décidait qu'un pays dans l'instabilité. Comité international a toujours là pour aider Haïti, mais élite politique et économique là, nous comprenons nécessité pour souquer Koyo.
fin de côté déclaration à Justin Trudeau pendant le tape clôturé sommet Canada CARICOM dans le micro La Voix de l'Amérique. Ouais, tout d'abord, le Canada est rendu à 28 sanctions sur des personnes responsables pour l'instabilité actuelle en Haïti. Et on continue de mettre la pression sur les élites, sur la classe politique, sur les oligarques haïtiens. Pour s'assurer qu'il y ait une redevabilité. On est en train de travailler avec les Américains, avec d'autres, pour s'assurer qu'ils soient là aussi. On va continuer d'être là pour aider avec des investissements humanitaires. On va continuer d'être là pour aider avec de la formation et des ressources pour la police nationale haïtienne. Mais nous avons aussi besoin d'un engagement politique pour créer un consensus pour pouvoir accueillir l'aide internationale pour mettre fin à cette insécurité et cette situation horrible. 30 ans que le Canada est là pour aider le peuple haïtien. Ça fait 30 ans qu'on bâtit des hôpitaux, qu'on est là pour aider dans la situation de sécurité, qu'on forme la police, qu'on est là pour appuyer le peuple haïtien, et on sera toujours là pour appuyer le peuple haïtien. La communauté internationale a toujours été là pour appuyer le peuple haïtien. Malheureusement, pendant ces 30 ans, on n'a pas pu régler la situation. Et la réalité, c'est que ce n'est pas à la situation et à la communauté internationale de régler la situation pour Haïti. Ça doit être, pour que ça soit durable, pour que ça soit vrai, ça doit être les Haïtiens eux-mêmes qui sont au centre de leur prospérité, de leur avenir, de rebâtir cette perle des Antilles. Malheureusement, il y a des élites au gouvernement, en affaires, des familles oligarques en Haïti qui, depuis des années, sinon des décennies, minent la stabilité et les opportunités pour le peuple haïtien. Alors, c'est pas vrai qu'on va continuer de refaire la même chose sans mettre directement ceux qui sont responsables pour cette crise actuelle dans la ligne de mire de la communauté internationale. Nous allons toujours être là pour le peuple haïtien, mais la classe politique et les élites haïtiennes doivent se rassembler et doivent comprendre qu'eux aussi, ils ont une responsabilité envers le peuple haïtien et non seulement envers eux-mêmes. Voilà, au top, côté intervention, Premier ministre canadien Justin Trudeau qui critiquait sa personnalité haïtienne qui empêchait pays avancer. Canada a lancé un programme formation pour la police sous plusieurs années. 3,4 millions de dollars pour la jeune PNH là pour acheter équipement pour institution. Ça, d'après promesse, Premier ministre canadien. Nous écoutons notre fois Justin Trudeau. Le Canada et Haïti ont des liens très forts entre nos populations. Par exemple, chez moi à Montréal, la communauté haïtienne-canadienne a porté contribution immense à la culture de notre ville et de notre pays. Et je sais que les gens continuent d'être inquiets. Pour apporter un soutien supplémentaire, le Canada va lancer un programme de formation sur plusieurs années pour aider la police nationale d'Haïti à lutter contre les gangs et la corruption. On va aussi allouer 3,4 millions de dollars pour fournir de l'équipement et de l'aide afin de lutter contre la violence liée aux armes à feu. Et pour aider les Haïtiens à rester en santé, on va investir 18,3 millions de dollars dans le cadre de l'initiative mondiale pour l'équité vaccinale. Les Haïtiens font face à une crise complexe. Notre rôle en tant que partenaire est d'apporter du soutien qui va avoir des impacts durables. Pour obtenir ces impacts durables, c'est très important que les solutions soient dirigées par les Haïtiens. J'ai bien hâte d'entendre vos opinions sur ce qu'on peut faire pour soutenir Haïti et pour promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région. Voilà, ou toujours sur Antenne Radio Méga. Radio Méga, c'est Pigou, réseau radio haïtien, gagné dans le monde là. On va suivre Méga Matin pour jeudi. Gagné en délégation haïtienne qui gagné en tête li. Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, qui a quitté Ottawa hier pour capable aller dans Palenque, dans l'État, dans Chiapas, au Mexique. Invitation président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour participer 21.
22 octobre 2023 Capé Vinila, un sommet sur développement migration. Donc sommet ça qui gagne en tête li divers chefs d'État, responsables gouvernement pays en Amérique latine et Caraïbes là, directement qui gagne principaux routes qui côté gagne des migrants qui fait route nord Amérique là avec Amérique du Sud là vers Amérique du Nord. Donc invité dans sommet ça c'est Belize, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Venezuela. Sommet ça premier ministre haïtien a glimé gagné pour capable plaider pour investissement massif dans pays d'origine migrants qui sont yo. Donc dans l'idée pour capable bay on l'autre avenir avec moun silayo. Donc sommet ça qui déjà prend fin d'après responsable mais gagné divers pays ça yo nous sauter cité là qui eux-mêmes Belize, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et Haïti qui a été gagné possibilité participer dans ce sommet ça côté premier ministre haïtien docteur Ariel Henry l'ital participer là-dedans pour Haïti. N'a gain pour nous retourner sur information ça puisque tu gain mouvement qui t'a fait pendant ce sommet là avant nous bah au plus détail sur mouvement ça en nous aller dans notre sud capitale là ou même qui gain intention faire pour matin est-ce qu'on capable traverser. Wilson Nemo déjà avec nous. Bonjour Wilson Nemo. Bonjour, activité tout neuf, déjà quand même dans rentrée sud capitale là, avec son façon pour me saluer chaque grand monde qui connecte Radio Méga. Bonjour Sévère, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Son plaisir pour m'avoir pour matin, hein, pour nous capables d'informer. Eh bien, nous capables de nous rentrer sur le capital qui lever nous. Et nous allons rentrer sur le capital côté nous capables de activité à démarrer dans la minute que nous avons parlé avec un pile difficulté entre sur le capital. Qui te connaît un week-end mouillé. Avec ça la cause en pile effort qu'a fait matin hein, pour garder sous capable de quitter un point pour tomber dans un autre point. Concernant mon cap sorti dans grand sud pays a commencé à y et au même cap sorti dans zone métropolitaine là qui t'explique comment situation est la minute que n'a pas là si on pas sorti dans zone métropolitaine là pour prendre direction grand sud là ou bien reste là qui est une situation très compliquée au niveau d'insalubrité puisque la réalité chargée avec patra la réalité l'eau souris comme d'habitude ben, l'eau qui rejoint l'eau qui est là déjà circulation lui-même plus difficile pour matin hein. C'est toutefois arrivé des portails de Ogan et ou capable de jouer une machine difficilement pour passer au niveau de Matissan pour moi qui n'a pas parlé. C'est vrai pour moi qui n'a pas parlé à machine à descendre monter au niveau de Matissan très difficile ben à cause de l'eau qui n'a pas ça ben, en fait machine tout pas qu'à passer dans l'espace là obligé passer par en dans Matissan pour être capable d'aller dans le parcours et même fixé pour matin. Eh bien, c'est comme ça, j'en joue la circulation, le même monter descendre dans la fête au niveau de Matissan, pour monter dans la palette, puisque zone, sa route là, elle est vraiment crasée, et de l'eau chita sur route là, eh bien, ça qui va être souffert, en pile difficulté de passer dans la zone, ça, puisque toujours éviter pour ne pas tomber dans tout, pour ne pas coller dans la zone, ça, eh bien, ça arrive en pile chauffeur, ça arrive en pile machine qui déjà est tomber dans la situation ça au niveau de Fontama et de Matissan au niveau de Matissan et donc et même causé à tout pour Fontamara qui est vraiment difficile pour matin ça le temps coupe incident ben au même cap sorti dans direction grand sud pays à Ogier Carrefour depuis au fin quitter marché poisson ben c'est la calamité au commencé ben plusieurs autres activités à reprendre pour matin tant qu'activité et commerciale avant nous entrer dans activité commerciale qui peut nous donner plusieurs stations que nous passer nous avons plusieurs marchés
machine qui a chargé. Donc, même qu'à besoin de machine pour aller à Tien, la Guane, au Kai, on a besoin au niveau de Fontamara, 43, à côté de Térimaké, il y a un petit bus qui était commencé à arriver là, il y a un chauffeur moto qui était commencé à arriver là, un bien, non, t'es capable de quelques camionnettes, t'as essayé d'arriver là pour faire trajet et Carrefour de Yor, Rai Bodlo, on va joindre une série de camionnettes qui va le travail dans la zone ça et pour trajet que nous sommes toujours dans ça qui a ouais avec le transport public. Bon, la marine, on a besoin de machines pour mettre cette tournée dans le grand sud de Yor, pour mettre cette tournée là au garnitour qui a trouvé l'ouest là, c'est comme ça la situation y est. Qui peut nous entrer dans l'activité économique avant. Marché poisson, matin, nous voyons qu'il y a trop de citoyens là-dedans. Nous pas remarqué, les citoyens vivent en grand nombre dans la zone ça, mais nous avons besoin de quelques citoyens quand même qui, dans l'espace ça, qui ont battu avec l'activité commerciale. Nous voyons qu'il y a quelques madame Sarah qui a rejoint le marché ça, il y a quelques autres jeunes garçons avec beaucoup de mamans qui ont rejoint le marché ça, et pour garder dans qui mesure je dis à vous capable de démarrer journée ou qu'on s'attend des gens qui a plein de machines pour mettre tête sur dans le niveau centre-ville là et pour aller régler l'activité ou pour matin. Matin, nous remarquons rentrer sur le cap de la clairée, c'est grâce à l'IH qui permet que, et ou même, ou capable, ou même cap sorti, ou capable, ouais, côté, ou capable de déposer, puis ou même qui c'est dans la boue, à déposer, parce que pas gain marel qui capable de jouer dans rentrer sur le cap de la, si tout pour le marché à pied. En question de fourrer pied dans la boue ben pour rentrer sur la matin là et pas gagner et boue qui a fait dans l'espace ça pas gagner détournance pas gagner balle qui a tiré et l'espace ça est très calme et nous remarquons que nous avons fait pour le moment ça c'est garanti que nous barons mais ça pas empêcher nous toujours de faire prudence chaque les wap fréquenter et un espace comme ça nous sommes remontés contents présentés au premier numéro traversé pour c'est maintenant été connecté n'a pas traversé demain. Bon, la journée à tout le monde. Merci en pile, Wilson Raymond qui t'a dit nous, est-ce que vous êtes capable de traverser sans difficulté dans la zone rentrée sud des capitales? Là, avant, noté pour Wilson Raymond, t'es pas aux informations, ça, premier ministre Ariel Henry qui t'a participé, pendant week-end, dans le pays Mexique, dans un sommet sous développement et migration. On noté promet tout ça, noté on a vu avec information, ça, puisque pendant, t'es gagné un sommet, ça, t'es gagné plusieurs centaines de migrants qui t'es pour profiter, fait un mouvement dans le pays Mexique. Migrants ont été défilés dans Chiapas, la frontière Mexique avec Guatemala pour exiger solution humanitaire pendant le sommet sur migration qui est convoqué par le gouvernement mexicain dans la région avec représentants 11 autres pays d'Amérique latine. Pendant la manifestation, ça, dans Cuidad Hidalgo, protestataires ont qualifié honte à la corruption sommet ça à cause de la mort de centaines de migrants chaque année sous route migratoire là d'après ça la presse locale rapporté. Sommet sur migration ça a été fait dans le pays Mexique et puis Amérique centrale a confronté avec un flux migratoire sans précédent sur l'Organisation internationale pour migration qui fait état plus passer 16 000 migrants arrivés chaque jour dans la frontière mexicaine. Chancellerie mexicaine a confirmé présence en chef État Colombie, Cuba, Haïti, Honduras, Venezuela, vice-président Salvador là avec vice premier ministre Belize et puis ministre avec ministre plusieurs ministres et puis avec ministre affaires étrangères Costa Rica, Équateur, Guatemala et Panama. Toujours sur antenne radio Méga.